Salut à tous les addicts. Aujourd'hui, on va ouvrir un deuxième coffret noix de coco d'Aloe la Vie. Donc, le bon plan que je peux vous dire, c'est de le prendre chez la Fnac. Pourquoi? Parce que déjà, il est au tarif normal de 24,99. Donc, le premier coffret, je l'avais pris chez Jouet Club, il était dans 26,99. Donc, il était déjà 2 euros de plus. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez la carte Fnac, vous pouvez avoir 5% dessus. Donc, ça vous fait une petite remise de 1,25 €. Il revient à 23,74 €. Donc, c'est sûr, sur un coffret, c'est pas énorme. Mais bon, comme on est tous collectionneurs, vous savez que les coffrets, on en achète pas mal. Et sur le cumul et surtout sur toutes les éditions différentes qu'on collectionne. Ça peut être très 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 intéressant. Moi en tout cas, je crache pas dessus parce que au final, il y a beaucoup de collections qui sortent par an. Et puis il faut énormément de boosters pour les compléter. Donc c'est parti pour ce coffret. D'ailleurs, vivement qu'il y ait d'autres coffrets qui sortent un petit peu histoire de varier. Parce que pour le moment, je trouve que voilà, Pokémon compagnie, ils ont pas bien géré l'affaire. Parce que du coup, on est vachement limité, quoi. On a seulement ce coffret-là. Et sinon, après, c'est les decks. Et on ne sait pas ce qui nous intéresse à nous. Donc, je trouve ça super léger. Donc, c'est parti pour le premier booster. Je vous épargne les cartes promotionnelles parce qu'on les a déjà vues lors de la première vidéo. Puis, à mon avis, vous les avez déjà également. On va essayer de ne pas se faire spoiler. Voilà. Le code couleur. C'est parti. Migalos, Reptincelle, Infect, Castorno, Ramolos, Kunotor, Magikarp, super sympa, Capuma, Natu en reverse et Nymphali qu'on a déjà. Donc, premier booster pas terrible, une holo, mais bon, c'est une série plaisir, donc normalement on a dans chaque booster. Bon là honnêtement, deuxième coffret, j'espère vraiment tomber sur Tortank, Florizarre, Dracaufeu, parce que je vois énormément de personnes en avoir. Et sur le premier, bon, on n'en a pas eu, on a quand même eu Dracolos V-Star, qui n'est pas à négliger, mais c'est vrai qu'au niveau des starters de base, on n'en a pas eu. Alors voyons voir, est-ce qu'on sera un peu plus gâté? Donc là, on reverse Captain d'équipe Candela et une V, Bétochef V, qui tombe elle aussi assez souvent. Elle est sympathique. C'est pas la meilleure des V qu'on attend, c'est sûr, mais bon, par rapport à la collection. Justement, il n'y a pas beaucoup de V et c'est pas des V de folie, quoi. Plus que deux boosters en espérant. Ah oui, je me suis loupé là. Ah, c'est dommage, là, celle-ci, elle est un petit peu abîmée là-haut. C'est un petit peu dommage, ça. C'est parti, Reptincelle, bon, pour la troisième fois, mais bon, on s'en lasse pas. Magikarp. Herbizarre, Reverse, donc ça c'est cool. Et Ronflex en holo. Ça fait plaisir de l'avoir, c'est vraiment une chouette carte. Ronflex, un Pokémon quand même qu'on aime bien, même si pas très dynamique. Et dernier booster, honnêtement, j'espère vraiment qu'il va avoir une belle, belle, belle carte dedans. Parce que sinon, c'est vraiment un coffret catastrophique. Soyons honnêtes, à un moment donné, il faut être honnête quand même. Bon, lui, l'ouverture est bien loupée, c'est pas grave. Énergie O. Serait-ce un signe ou pas du tout? On va voir. Carabaf, Ambrilex, Natou, Capidestre, Ramolos, Castorno. Solarok en reverse et une V, Memeltal V. Bon ben, alors là c'est catastrophe totale. On voilà deux V.
deux holos. Mais bon, on va pas loin. Là, je vous le dis vraiment, je suis assez déçu parce qu'il n'y a toujours pas les évolutions des starters qui sont sorties. Et ouais, là, ce coffret, voilà, il devait. Là, honnêtement, si vous achetez à l'unité toutes les cartes qui sont sorties, franchement, pour 10 balles, 10 euros, vous avez le coffret. Mais écoute, en tout cas, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Faut tenter sa chance. Et on aura forcément mieux la prochaine fois, c'est obligé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez eu plus de chance de votre côté. N'hésitez pas à mettre en photo ce que vous avez eu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.